Choisis la vie. Paix aux hommes de bonne volonté. Devant la crèche de Bethléem, les anges proclamaient « Paix aux hommes de bonne volonté ». Dieu attend de moi simplement que je sois de bonne volonté et non que je sois parfait. Cela signifie que je sache mettre de l'harmonie autour de moi, de la joie, de la paix, là où je me trouve, dans mon travail, avec mes proches, amis, en famille, dans les transports en commun, en fait partout où j'ai des échanges avec des êtres humains. Et non pas que je sois gonflée d'un quelconque mérite. Au contraire du mérite qui tente de se faire valoir devant les autres, de les écraser par sa supériorité, on voit la bonne volonté. Elle tentait d'établir des relations aisées, des relations sans jugement, où se valorisent les actions des autres, ainsi que les petites choses qui sont faites dans l'humilité, sans se prévaloir d'une quelconque vertu. Être de bonne volonté, c'est savoir pardonner et savoir demander pardon en reconnaissant qu'on s'est trompé et chercher à établir un vrai dialogue. La parabole des talents est souvent comprise comme un règlement de compte final entre Dieu et moi. Parce que j'aurais laissé un de mes talents inemployé, le déposant bien enfoui dans la terre au lieu de le faire fructifier. Dieu ne cherche pas à me coincer. Il me laisse libre de développer telle ou telle de mes dispositions. Et ce sera ma responsabilité si j'avais l'étoffe d'un chanteur lyrique ou d'un grand peintre et que je n'ai pas exercé ce don. Par ailleurs, si quelque chose, quelqu'un ou quelque conception erronée m'a empêché de développer un de mes talents sur terre, peut-être sans doute le développerai-je au ciel? Dieu attend seulement que je sois de bonne volonté. Quoi de plus simple et de plus à ma portée? Si je le suis, je saurais me laisser toucher par celui qui est dans les mêmes intentions et reconnaître en lui comme en moi ce qui cherche à grandir, à se fortifier. Nous tous, hommes et femmes de bonne volonté, employons-nous à aider les uns les autres dans notre croissance et notre construction intérieure. Devant tant de guerres, de souffrance, la meilleure action à mener est d'éveiller en nous l'artisan de paix, l'homme et la femme de bonne volonté, et nous entendrons les anges nous dire « Paix aux hommes de bonne volonté ». Prions aussi pour la paix dans les cœurs, dans le monde entier, car l'humanité en a tellement besoin. Paix à tous, paix sur tous les pays en guerre, paix sur tous ceux qui souffrent, ceux qui sont abandonnés, exilés, seuls. Oui, que nous puissions entendre le chant des anges pour tous. Paix à tous les hommes et femmes, enfants de bonne volonté.